puis elle m'envoie. Ou je fais toujours par deux, même si souvent il n'y a qu'un seul four qui fonctionne. C'est au cas où j'ai une seconde ressource à faire cuire. Donc je sais, ça fait un peu bizarre quand même parce que souvent les donjons, on évite quand même de faire une construction dans un donjon comme enfin, ou alors très proche d'un donjon. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses sont pas mal pareilles. Enfin, un peu de refaire ça en stone, mais... Ah oh, bah tiens, oui, je dis ça, ouais, peut-être que je peux faire du charbon. Si je retrouve du charbon. Chute, bon, c'était nul encore une fois. Pardon pour mes blagues pourrites. Je sais. Dites-le que c'est pourri. Voilà. Bon, c'est ça, c'est la seconde fois que je fais ce coup-là. Ça fait un... C'est un comique de répétition, ça fait quoi. Tu me fais des yeux, c'est un comique de répétition. Un minimum de place vitale à la cage à spawn. Une bonne partie d'exploration nous attend un peu de droite, donc je sais, là je ne parle pas beaucoup, je suis en train de donc creuser autour du donjon, donc vous voyez un donjon c'est tout qui est grand quand même, je n'ai pas compté les cas, 9 sur 9, on va se trouver de chaque côté, il faut donc la cage à spawn.
Donc là c'est 1, 2, 3. Donc c'est simple hein, parce que la cage spawn a besoin de 4 cages après elle pour laisser spawner ces monstres. Et que la cage spawn va se trouver juste ici. Ici la cage spawn est 1, 2, 3, 4, 6. Ça va à ce niveau-là. Voilà, vous la voyez. Le cas, on ne pourrait pas faire ça, même si vous savez qu'il est fermé. Donc, une autre solution pour empêcher les spawns, ça serait de mettre simplement. Ah, tiens, voilà, hop, ça, c'est marrant ça. Oh, le sadique. Des bombes à crever. Voilà, vous voyez, hein, je vous ai dit, il y a une version miniature de l'araignée qui tourne dans la cage à spawn. Je sais pas si vous voyez. Je n'ai pas, malheureusement, pas de torche. En posant des torches tout autour de la cage à spawn, j'empêche le monstre de crever. Vous voyez, l'araignée vient d'accélérer. Une nouvelle araignée vient d'apparaître. Donc je vais essayer de voir ici là pour pouvoir observer. Observer le comportement de ces certaines créatures. Le bruit qui fait flipper, c'est généralement le donjon. Mais je sais très bien qu'il est là. Normalement, on devrait faire un de haut également. Voilà. C'est ça. Ça c'est un sol. 1, 2, 3, 4 de haut. Il y a la pousse là. Donc, là. Et là, aidez-moi. La moustonne. Ça fait bien 5. 2, 2. Une solution efficace d'empêcher les monstres de spawner ou du moins de réguler leur spawn, c'est d'ouvrir le toit de façon à ce que le toit soit explosé en plein jour. Comme ça, la cage spawn ne fait spawner les monstres que la nuit. Très très utile comme conseil. Donc si vous avez comme cela un donjon qui est très proche de la surface, vous pouvez faire ça. C'est très très pratique. Je parle pas fort, je sais, hein, parce que les mots c'est toujours la même chose, j'ai toujours un peu tard. J'ai vite de déménager, donc tout le monde chez moi. Une fois que mon donjon, enfin ce sera mon donjon. Je peux peut-être poser une question. Bonjour. Donc ça ne donnera pas cette question ouverte en haut. Ou alors c'est gravé tabouché. Oh, peut-être qu'il y a des coffres. Voilà. Ou de quoi faire alors ça c'est notre outil ceci est du pain pas de
Je peux rien lui faire, il a pas le temps. Qu'est-ce qu'il tire? Pas récupérer le film, ouais, mais je peux se faire un stone, j'aurais pu laisser un stone quand même. Voilà, alors, je peux voir sur deux, hein, vous voyez, les armées faisant deux de large. Elle ne peut pas. Maintenant, et lorsque je voudrais exploser, franchement j'aurais qu'à poser des torches. Donc le donjon d'araignée, très très pratique. Ah, enfin, très très pratique, je veux dire plutôt. Ah,